Bonjour frères et sœurs, nous arrivons présentement à la troisième et le dernier de ces petites vidéos sur la Bible hors contexte. C'est cette tendance ou ces dangers que nous avons lorsque nous arrivons à la parole et cherchons à en ressortir autre chose que ce qu'elle dit. Nous avons déjà vu, premièrement, que nous perdons de vue le point principal, Christ, que Christ soit exalté. Qui veut dire que toutes les histoires et tous les personnages sont supposés nous pointer à Christ et non pas pour des choses hyper personnelles et terrestres. Premièrement et avant tout, c'est en rapport avec Christ, qui est à venir, qui est venu et qui va revenir. Deuxièmement, il y a ce qu'on appelle le proof texting. Est-ce qu'on prend des versets et qu'on les accumule ensemble, puis on se décrit une sorte de monstre doctrinal qui n'est pas trouvé dans la Bible, mais qu'on a tellement amalguer et combiner des versets que ça fait plus de sens. J'ai donné un exemple de ceci avec la bénédiction du bâton dans l'autre vidéo. Cette fois-ci, j'aimerais regarder le dernier, puis ça, c'est le danger lexical ou du lexique. Je parle ici des langues originales. Nous sommes dans un temps présentement où on a plein de bonnes ressources pour nous permettre, tous, moi inclus, toi, pour aller voir les textes originaux grecs et hébreux. Des choses comme les dictionnaires Strong et les Bibles interlinéaires. Mais le problème avec ça, c'est qu'on s'imagine être des experts ensuite. Et c'est là le danger. C'est un de ces moments où on doit reconnaître qu'il y a des femmes et des hommes qui ont étudié pendant des années et des décennies pour mieux comprendre ces langues très compliquées. Et qu'on doit se fier à eux, se fier à Dieu qui les a guidés. Parce qu'en réalité, le grec koiné, le grec utilisé du Nouveau Testament, et l'hébreu biblique n'est plus en fonction de nos jours, depuis des centaines d'années même. Et donc, ça prend des gens qui ont étudié des textes qui entouraient, qui se trouvaient dans ce temps-là, puis qui ont essayé de faire du sens, donc, de ces langues-là. Moi, j'ai jamais fait ça. Et donc, c'est pour ça que c'est dangereux de juste s'approcher d'un texte interlinéaire ou de la dictionnaire Strong, puis s'imaginer que là, moi, j'ai tout compris du grec. Moi, je sais mieux là, que ça, là, ça aurait été mieux traduit comme ça. Non. Non. Il faut comprendre que ces hommes et femmes, lorsqu'ils viennent ensemble, là, ils travaillent ensemble pendant des heures, des jours et des semaines et des mois pour essayer de ressortir une traduction. Que ce n'est pas juste une personne toute seule avec un dictionnaire qui a traduit. Donc, monsieur et madame tout le monde, soyons assez humbles pour reconnaître qu'on doit se fier à ce qui a été fait, même si c'est quand même utile des fois d'aller voir les textes originaux. Mais, faisons attention, parce qu'on peut tomber dans certains dangers. Un des grands dangers, c'est qu'on prend notre compréhension moderne, puis on l'infuse dans la compréhension ancienne du texte. Par exemple, le mot dynamos, puissance. Ben là, on dit c'est de là qu'il vient le mot dynamite, donc ça veut dire une puissance qui explose. Non, ça ne veut pas du tout dire ça. Ça veut dire puissance. Ou la même chose, on pense à l'idée de l'amour agapé. Nous, on le présente comme étant la plus grande amour qui a jamais existé, mais ce n'était pas comme ça en ce temps-là. En réalité, dans le temps de Jésus, le mot agapé ou agapao est à peine utilisé. C'était le mot filio ou amour fraternel qui était beaucoup plus important et utilisé. C'est un amour qui dit, tu es mon frère, je me donne à toi. C'est pourquoi quand on arrive justement dans Jean 21, qu'on arrive à cette discussion que Jésus est en train de restaurer Pierre, puis que lui utilise le mot agapao, Pierre lui peut juste répondre en disant filio, parce que c'est le seul amour que lui connaît. Et encore plus, on peut voir même que dans le texte, Jésus et Pierre sont en train d'utiliser des termes interchangeables avec amour, puis paître, puis brebis, puis agneau, puis ainsi de suite. C'est des mots interchangeables. La conversation n'est pas spéciale où est-ce que Jésus parle d'un certain amour, puis après il amène Pierre un autre amour, ou qu'il appelle Pierre à faire certaines sortes de travail, puis certaines autres sortes de travail, ou qu'il y a certaines sortes de personnes, des brebis, puis certaines autres sortes de personnes, des agneaux. Non. Il est en train d'utiliser des termes interchangeables que nous qui dit aime, puis apprécier, puis je t'adore. Mais en réalité, on dit plus ou moins la même chose. Donc, faisons attention. Faisons attention à toutes ces sortes de dangers-là qui existent parce qu'on n'est pas des experts des langues originales. Soyons assez humbles quand on s'approche de ces choses-là.
Ceci dit, j'aimerais vous demander de démontrer un exemple très clair avec une fausse prédication. Oui, une fausse prédication comme j'ai fait la dernière fois pour vous montrer comment c'est facile de tordre la parole quand on va dans les lexiques, quand on va dans les langues originales. Donc, frères et sœurs, ceci dit, tournez dans 1 Pierre chapitre 2. Oui, 1 Pierre chapitre 2. Je vais vous montrer quelque chose d'extraordinaire. Dans 1 Pierre chapitre 2, Pierre nous dit que lui, Jésus, qui a porté lui-même nos péchés en son corps sur le bois, afin que, mort au péché, nous vivons pour la justice, lui, par les meurtrissiers duquel vous avez été guéris. Prenez note, le mot péché que Pierre utilise, c'est un mot composé. Ouais. Parce que le premier veut dire une négation, puis l'autre, la racine du mot, ça veut dire portion. Comme d'avoir des biens. Comprenez ça, là? Jésus est mort pour notre perte de nos biens. Que le mot est en train de parler ici de cette idée de perdre nos richesses, mais que Christ est mort pour nous les redonner. Donc, ce n'est pas juste à propos de faire le mal ici, c'est à propos du fait de notre pauvreté. Mais attendez, ce n'est pas tout. Parce que dans Ésaïe 53, le passage duquel Pierre a cité, la Bible se complète. Dans Ésaïe 53, ça termine en disant, « C'est pourquoi je lui, Jésus, donnerai sa part, oh, sa portion, avec les grands. Il partagera, Jésus, le butin, hein, cette richesse, avec les puissants. Parce qu'il s'est livré lui-même à la mort et qu'il a été mis au nombre des malfaiteurs parce qu'il a porté les péchés de beaucoup d'hommes et qu'il a interdit pour les coupables. Ça, c'est nous. Christ a une portion à nous donner. Il nous donne toutes les bénédictions, comme ça dit dans Éphésiens. Laissez personne vous mentir. Le chrétien ne devrait pas être pauvre. Nous sommes sous la bénédiction d'Abraham. C'est ça que ça dit dans la Bible. Et cette bénédiction, cette alliance-là, avait des richesses. Christ, sur la croix, a vaincu la pauvreté. Autant que nos péchés. C'est inclus dans le mot, comme je l'ai dit. C'est dans la racine du mot. Donc, nous ne sommes pas appelés à être pauvres, frères et sœurs. Laissez pas les gens vous mentir sur ça. Nous sommes appelés à de grandes richesses en Jésus-Christ. Il est mort pour nous les donner. Et donc, il faut aller chercher et les réclamer. Il faut le reconnaître et le proclamer qu'en Christ, je suis riche. Et donc, frères et sœurs, arrêtons d'accepter cette pauvreté. Parce que Christ est mort pour ce péché. Bon, vous comprenez que j'ai exagéré un petit peu, mais pas autant que ça. Ce que je vous ai partagé ici, je l'ai trouvé dans un sermon de Bill Johnson de Bethel Church. Ouais, où est-ce qu'il dit que justement la pauvreté est un péché à cause du mot grec? Plus ou moins, il insinue que la pauvreté est un péché et qu'on ne devrait pas être pauvre parce que sinon c'est un péché. Il insinue. À cause du mot grec. Vous voyez comment c'est dangereux? C'est une version exagérée que je vous ai démontrée, mais on peut tout faire ça. Je l'ai trop souvent entendu. De trop de frères et sœurs qui pensent qu'ils ont compris quelque chose parce qu'ils ont trouvé dans le dictionnaire que ce mot grec veut dire ceci. Donc, frères et sœurs, soyons humbles. Et reconnaissons que nous avons encore beaucoup à apprendre et que Dieu nous a bénis par des hommes et des femmes qui ont fait les études nécessaires pour notre bien. Que nous pouvons comparer les traductions, que nous pouvons, oui, regarder les ressources grecques et hébreux, mais tout ça avec humilité. En reconnaissant que ce qui a été fait avant nous est là pour notre bien et qu'on ne faut pas réinventer la roue. Et ça, c'est même très orgueilleux de penser qu'on va réinventer la roue après 2000 ans. Avec toute humilité, approchons-nous de ces textes et reconnaissons ce que Dieu nous a déjà donné. Sur ce, frères et sœurs, soyez bénis.